Et salut tout le monde! Coucou! Bienvenue pour la sixième partie de Resident Evil Operation Raccoon City. Donc, avant-dernière mission, hein, si je comprends bien. Après tout ce qu'on m'en a dit, donc. On arrive plutôt très vite à la fin de l'aventure au final. Pour ceux qui n'aiment pas trop le jeu, ben, voilà, hein, ça va plutôt vite. Ceux qui l'aimaient, bon, ben, je suis désolé, hein, c'est pas moi qui ai décidé que je vais être aussi rapide. On a eu droit à un petit troll, comme ils nous disent certains, sur les commentaires sur le chapitre 3 hein, que vous avez vu par rapport à Stamot, on a bien fait chier. Ensuite, pour en revenir sur la leçon 5, donc on a tourné hier aussi, on a eu droit à nos deux gros tyrans, T, non tyran G, parce que elle était 103, hein, ouais. On a eu droit aussi à pas mal de hunters, pas mal de morts, on s'en est sorti à pas grand chose. Très dure mission, donc j'imagine que les suivants doivent être durs aussi. En même temps, j'espère, hein, histoire qu'il y ait un peu de challenge quand même. Et on va aller vite rejoindre Kenzie pour aller voir ça. Donc, salut Kenzie. Salut. J'espère que tu vas bien, que t'es en forme. Oui. Prêt à dégommer du zombie. Resident Evil. Ou du hunter, ou selon ce qu'il nous donne à dégommer. Alors, campagne, continue la campagne. Et en privé. Donc, je vais inviter Kenzie. Et je vais sélectionner un personnage que j'ai pas encore pris, qui va être. La Bertha, hein, je l'ai jamais pris pour l'instant. En spectral. Comme ça, tu vas encore t'amuser à nous montrer tes copains. Ah non, spectre, c'est celui qui détecte lui. C'est pas celui qui se cache. Je confonds avec l'autre. Alors, je vais prendre Lucho. Allez hop, avec un petit stimulant, ça ira mieux. Ah et en fait, je suis pas loin que ça à débloquer les dernières armes. Voilà, 4000 XP, en fait j'en ai 22 000. Ouais. C'est qu'en fait, je captais mal comment débloquer les choses. Donc les mitrailleurs légères. Voilà, un petit ravageur, ça ira mieux. Allez, c'est parti! On va peut-être amuser à cramer du zombie encore. Ouais, c'est ce que t'expliquais la dernière fois, que les hunters sont... Ben là, je l'ai en astuce dans le chargement. Les hunters sont des prédateurs dominants, ils biseront le plus fort du groupe. Ça fait mal d'être le plus fort. Ouais, ça aide pas là, dans ce genre de cas-là. Ouais. Ah ouais, la manière que tu fais coincer, en plus dans le feu. Et les hunters s'attaquent aux proies isolées, restez près de vos alliés. Ouais. Ah ok. Immédiatement. Commandant, vous devez nous évacuer au plus vite. Sortez-vous de là. Je reviens. Ouais. Commandant, si jamais vous
l'équipe Delta au rapport. Nous sommes impressionnés par votre action. La direction pense que nous avons jugé votre unité un peu vite. Ce n'était pas justifié. Par conséquent, nous avons accepté à contre-cœur votre demande d'extraction. Toutefois, avant d'être évacué, vous allez devoir vous occuper des espions qui ont infiltré nos laboratoires. Votre nouvel objectif est de vous rendre sur place, d'identifier les espions et de les éliminer. Je vous transmets les coordonnées. Nous voulons des réponses. Pourquoi avez-vous... Fin de la communication. Terminée. Ouais, en gros, on va vite être laissé pour compte à la fin de la démission, histoire de bien effacer toutes les traces possibles. Vous faites confiance à la direction. Ils savent de quoi on est capable. Bien sûr qu'ils vont venir nous chercher. Il y a une caméra juste là. Attends. Ah oui. Pardon pour le bruit, j'allais éternuer. Ah. Voilà. Donc où es-tu parti là-haut? Ok, derrière y'a rien là? Il y avait quelques... Ouais, y'a pas l'air d'avoir grand chose. Ça me rappelle la scène dans Darkseid Chronicles, quand on se bat contre le T-103. Qu'après il faut lui tirer la roquette à la fin quand c'était rendu fou avec ma femme. C'est exactement l'endroit en fait, ouais. Joli petit clin d'œil. Et du coup, ça fait penser aussi quand il y avait William Birkin. Oui, voilà, ça aussi, c'est le même endroit, ouais. Donc, d'accord, on est obligé de passer par au-dessus. Ouh, c'est quoi ce truc? Ah, ah ouais. Si tu veux te l'injecter, il faut que tu m'as tiré rien. Ouais, ouais, je sais. Oh, tu fais un carton, hein. Il y avait trop de fans. Eh merde, mais t'es qui, lui, déjà dit. T'es un spray? Oui. Ah bah attends, y'en a un par terre, là. Mais je l'ai utilisé. J'ai cru que t'avais utilisé. Bah j'allais en fait, et vu que j'appuie sur rond pour vite me défendre derrière, et du coup en ça fait, a annulé la utilisation. En fait, pour les tu fais deux fois rond, ensuite appuie X. Et non, sur les soldats ça marche pas. D'accord. Oula. Ouais, tu commences à te submerger toi là. T'es un peu les brûler. Moi je commence déjà à manquer de munitions, dis donc. Pareil. Mais ils en ont lâché un peu par terre. Ah bah là il y a une caisse de munitions si tu veux. Les commandes de l'ascenseur. T'as pas une caméra dans le coin. Il y en a une tout là-bas sur la porte en dessous de la lumière. Oui. Ouais, vu. Et t'en as une là aussi, des caisses de munitions, et en fait on avait de quoi faire. Parfait. C'est bon après la bataille. Ouais, voilà, ouais, tout à fait. Pas notre contrôle pour atteindre le niveau intérieur. Je commence à me lasser de ces trucs. Y'a les organes par terre, là. Allez, t'es pas mort, lui. Ah, Spectre, il est infecté. Ouh, comment je l'ai arraché la tête.
t'as des sprays? Ouais, j'en ai un. Je suis... Et je vais prendre le spray. Merci. Attendez-moi. Oh, il y avait une caméra là-bas. Ah, vite, détruis-la. Non. Il y avait une caméra là-bas sur le mur. Je l'ai vu au dernier moment. Ah ben bravo. Donc ça aussi, c'est l'ascenseur que Wesker se sert. Quoi. Pareil, dans... bon, on s'en sert aussi dans Resident Evil 2. C'est là où on se bat contre William Birkin pour la deuxième fois, je crois. C'est là quand il va infecter Sherry, en fait. Si on se bat sur cet ascenseur là quand on est Wesker et qu'on se bat contre le tyran justement. Il y a une caméra juste en haut de ma tête. Ouais, j'ai vu ça. Donc il faut aller où là? On est dans l'ascenseur, il faut activer un truc. Ah d'accord. Par contre... Oh, il y aura la mascotte. Alors c'est pas ça que je voulais faire du tout. Tu veux reprendre ton pistolet? Merci. Juste ici, viens. D'accord. Le raton laveur, ça c'est de la mascotte. En arrière. Pauvre spectre. C'est quoi cette équipe? C'est clair. Les mecs pour de vrai doivent pas être rassurés de jouer. De se retrouver avec ça comme équipe. Hey, Miss Ada Wong. Avant qu'elle se fasse blesser. Tu vas m'acheter quand même, Rob. Oui. Après, je me mettrai dans la caisse, je jouerai comme ça. Toi, tu te prendras pour Léon. Oui, sauf que Léon, il se la saute jamais, donc non. J'aimerais éviter. Là, il y a une caméra. Ouais. Par contre, là, vu le nombre de caisses de munitions et d'herbes vertes qu'ils nous proposent, j'imagine qu'on va un peu en chier, non? Il y a plein de mines, Ada, et la rune à rentrer. Ah, d'accord, on va se battre contre Ada! Pas vraiment, en fait, faut juste la faire fuir en s'approchant d'elle. Terminé, super combat, hein! Hop là. Allez! Difficile. Putain, j'étais à 1 km de la mine, j'ai tiré dessus, je me suis tué. Ah bah t'es mort. Il est où ton corps? Ah, il est là. Tout des membres, tout tordu. Ah ouais, ouais, je me suis pris l'explosion, mais bêtement quoi. Pourtant, j'étais loin. Mmh.
Attends, je vais prendre les herbes vertes qu'il y a là-bas, t'as qu'à faire histoire de me soigner, hein. On va les massacrer. Ah, vas-y. Résistance militaire. Ouh là 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 là. Olé. Plein de soldats qui sont venus là. Spectre, enfin, ouais, Spectre, ils s'en vont par terre pour rien, d'accord. Moi aussi, je vais chercher des soins. Ouais. Ah, il y a une caméra juste là, en plus. Où? Là. Ah, exact. Et à peu près où ils étaient les soldats, il y a une caméra sur la porte. Au pire, je suis à ouais, mais là, j'ai... Je te la montrerai. J'ai même pas eu le temps de voir où ils étaient les soldats, en fait. Après toute la drogue. Non, il reste deux herbes vertes, normalement. Il y en a plus. Il y en avait 4, il y avait 4 herbes vertes et 2 caisses de munitions. Alors, au-dessus de la porte où il y avait les soldats. Juste là-bas, regarde. Tu peux voir d'ici. Bah, en plus, c'est au niveau de l'objectif là-bas. Ah oui. Oh, si on se bat contre William Pierre. Ouais. Enfin, va pas trop vite quand même, hein. Non, je fouille s'il y a des caméras, c'est tout. D'accord. Tiens, mais t'as des soins là. Parfait. Alors, juste en haut, il y a une caméra. Ah, les zombies ils bougeaient un peu tout seuls, mais en fait non, il est tard. Ouais, la caméra c'est bon, j'ai vu. Je crois qu'on va arriver à 15 et comme par hasard, c'est que j'ai le dernier moment qui manquera. Ah, c'est pas grave. Déjà, si on a trouvé quasi toutes les caméras, on aura déjà une bonne. Ouais, c'est clair, c'est ça. Eh, hey, coup de pied et tout. Il y a un sprint antiviral et un sprint normal. Ouais, sprint antiviral je veux bien, bah les deux en fait, ouais. Parce que je peux tout transporter. Voilà, je suis chargé au maximum. Voilà, vu la caisse de munitions qu'on a droit ici. Sur l'ascenseur, ça va faire chier. Ah, ça fait plaisir, je suis pas toute seule à tourner en rond pendant... Ça fait plaisir, je suis pas la seule. Danse. Macarena. Quoi, oula, oula, du vicar, d'accord, je comprends pourquoi il y avait la case de munitions. J'ai mis des bruits bizarres quand je tire ton stimulant. Tu bugs un peu, non? Ça marche, je me doute. Ah, je me doute, j'ai bugué. Ouais. Je vais me jeter! C'est là où on tourne, ça bug. C'est clair. J'en ai marre! T'es pas en train de monter, t'as l'air. Non, non, t'es en train de descendre. Oui. Là, là, il y a du monde. Là, il y a du monde. Là, moi, je dis monsieur. Attention, des parasites.
Moi j'ai tout. Lol, ma grenade elle a pété une caméra. Cool. À un moment bah elle est sur un plafond ou un. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah t'es mort. Allez. Je marchais, je suis mort. Attends mais t'es où? En fait je marchais, je suis mort. Qu'est-ce qui s'est non, passé? Non mais t'es hors de la map. Ah vous avez pris l'ascenseur sans moi. Non. Non à gauche, non. Je suis à gauche. Derrière toi. Ah t'es réapparu. Je te montre où j'étais. J'étais juste. Voilà. Ouais mais viens. Viens, je te montre où je t'ai trouvé, moi. Ouais, il y a un ordi. Regarde, tu vois? Là, tu vois la zone noire qu'il y a derrière, sur la carte, hein? La zone noire qu'il y a derrière le mur? Oui. Ah ben, pour moi, ton cadavre, il était derrière. Ah ouais, allez, ça va. Le gros bug. Il y a un ordinateur, ici. Là, il y a des données, là. Ah, je les ai déjà pris, mais... Ah ouais, le bug... A cause de ça, je vais avoir une vieille note. Ça, c'est quand on se bat contre le tyran. Avec Léon et Claire. Oula, du Hunter. Bien, je reste avec toi. Ouais, faut qu'on s'isole. Ouais, tu vois, le mec il me raconte la blague comme ça et tout. On aurait dit depuis le comptoir le Hunter qu'on avait été accroché à la rambarde. Oh, je suis fatigué. T'as une case de munitions là, hein, si tu veux. Dans ma tête. Ouais c'est clair, là il s'est retourné mais direct il t'a mis le crochet dans la tronche. T'avais pas la bonne capacité. Les jambes qui s'enfoncent dans le sol, c'est super. C'est trop beau. Ah. Touchdown! Ouais. Attention, séquence d'autodestruction de l'installation initiée. Tout le personnel doit. La mourir! Qu'est-ce qui se passe? Quand j'appelle Epsilon! Autodestruction. Je répète, pas de la drogue. Le personnel doit évacuer ouais. Immédiatement. Arranger mon cas. Alors, bah. Alors, il y a une caméra là. En plus, c'est de la bouille Birkin, bah en même temps, ça montre ce que t'as manqué un peu. T'as un ordinateur. Il est donné juste à côté. Pardon, pourrais-je passer? Merci. Oh! Pour le coup, pour monter les escaliers, ce truc. Je répète, tout le personnel. Là, y a une caméra juste en haut. Immédiatement. Où t'as vu une caméra, toi? Ah oui. Ça c'est la salle qu'on croise que ce soit dans le CD1 ou dans le CD2 avec Léon et mais aussi dans Darkside Chronicles. Enfin, oui ça. J'aime bien ce que toi t'as fait exprès de la rater la caméra, mais moi j'ai vraiment pas fait exprès. Ouais, parce que t'es en train de parler. Ouais, t'as bien fait.
Ah ben voilà Léon qui se bat contre le tyran. Mais il est tout seul? Oui, mais normalement c'est ça, parce que dans Resident Evil 2, tu joues jamais en duo en même temps. C'est que dans le Darkseid Chronicles que tu les vois ensemble, parce que bon, vu que tu joues à deux joueurs. Le bisou! Quand même bien sous. De quoi? Quand même bien sous la poitrine? Ah bah oui, il faut, hein. Elle va mourir et en profite pour être hypothétique. Ah bah, eh! Tant qu'elle a un dernier plaisir avant d'y passer. C'est le flic, il est toujours vivant. Il est avec la fille de tout à l'heure. Nous avons identifié ce policier, il s'agit de Léon S. Kennedy. Il a déjà réussi à accéder à des zones classifiées. Ah bah oui, c'est plus que confidentiel là, hein, les infos qu'il a. Hein. Désactivez l'autodestruction et éliminez-le. Commandant, on ne peut pas empêcher l'autodestruction. Comment est-ce que ça a pu arriver? Vous avez laissé filer ce flic et maintenant il va détruire nos locaux. Tuez-le, tuez les tous. Bien sûr. Tous. Ils sont dans la salle d'alimentation. Go. Je répète. Zombimon. Le personnel doit évacuer immédiatement. T'es là, on peut faire le ménage quand même, hein, Léon. Attention. Séquence d'autodestruction de l'installation initiée. Tout le personnel doit évacuer immédiatement. Je répète. Tout le personnel doit évacuer immédiatement. Oh, qu'est-ce qu'il a fait là dedans? Je sais pas, je l'ai vu aussi, deux secondes après, plus personne. Ah, bon, à moi, une fusée. Je répète, ah, il était monté. Ah, il bug. Ah ouais. Mais il est bien résistant en tout cas. Oh, le hunter qui est sorti juste devant moi. Ouais, il est mort. Voilà, vache au expect. Je l'ai isolé. Je l'ai isolé, pas moi. Prends juste le plus fort. Ah, c'est bon, c'est ça, t'as expect. Il fait les bras. Il y a une caméra juste là-bas. Je répète, tout le personnel doit évacuer immédiatement. Ah non, ça. J'ai, ah là. J'ai voulu ah, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop là. Joueur isolé, joueur baffé. Oh, d'accord, je prends le volet. Attends, je vous rejoins, les copains. Par contre, ça départ. Aïe, ça pique. L'allonge. Ok, j'arrive et je me prends une petite balle au bon moment. Je saigne. Coucou. Tiens, je te ramène deux copains. T'es trop gentil. Moi, je cours et je cherche des munitions, sauf que je suis mort en fait. Ah, pas du tout. Moi, je suis isolé, mais je suis trop loin d'eux. Mais allez, ne touchez pas. Oh oh. Il va se calmer le grand là, hein. Voilà. Oh, pas au cul de sac. Non. Bah, je vais peut-être encore mourir par un hunter. Oui, j'ai esquivé. C'est clair que la vecteur déjà ils sont morts. Allez, brûle. Brûle. Un fusil de milice, je m'en fous. Non, mais. Ah! Là, c'est de la nourriture du Mexique. Bertrand sera toujours au petit soin avec toi. Mais t'es parti où, toi? Bah, en fait, j'ai voulu m'éloigner et là, je suis en train de me perdre. D'accord, t'es encore derrière, en fait. Oh, cul de sac encore. Je répète.
répète, tout le personnel doit évacuer immédiatement. Mais descend les escaliers là ? Ça va. J'ai descendu mais ça m'amène là-bas. Ah oui oui ça t'amène. Ah oui d'accord. Ensuite dès que je vais là-bas, il y a un cul-de-sac. Ah bah bravo. Ah c'est bon, je crois que j'ai trouvé. Ouais je crois aussi. Alléluia. Rayos lourd. Merci. De rien. Ah non, il y en a une ou deux caméras ici. Il y en a une là-bas. Ouais. Allez. Je répète, tout le personnel doit évacuer immédiatement. Et il y a un ordinateur. Ouais, mais l'ordinateur, j'ai pas de données à mettre dedans. Ah, en fait, c'est dès que tu prends l'ordinateur, t'as des points. Ah, c'est pas besoin d'avoir des données ? Je sais pas, il me dit pas de nouvelles infos, donc je gagne pas de... En fait... J'ai pas gagné de points. Non, je vais faire une animation, mais mettre une cinématique. Il est auteur. Ouais, donc en fait on va avoir droit à se choper nous-mêmes le tyran, c'est ça? Pour l'instant on a droit au Hunter, c'est cool. Bon moi je cours perso, je vais à l'objectif. Oh j'aime bien. Oula. Je te conseille de fuir. Bah je vais faire pareil hein, si tu fuis, tu fuis hein. Tout le personnel doit évacuer immédiatement. Ah, j'ai envie de venir. Monte. J'allais dire les femmes d'abord, mais on était des femmes. Ouais. Merde, il est parti. Où est passé le corps de la fille? Déployez-vous. Là là, plein de copains. Ouais, des munitions. Et vous? Putain, je saigne quoi. Et bon. Oula, je suis infecté et tout. Je répète, tout le personnel doit évacuer immédiatement. Alors là-bas, je crois qu'il y a une caméra. Ah bah je me suis trompé, mais il y a une arme. Le hammer. Moi je suis infecté. Mais moi aussi. Ou Victor aussi. Bonne idée. Oh, j'en ai exprès, je l'ai tué. Allez, c'est moi toi, je suis mauvais. Non, j'ai pas le temps de me... Ah putain, j'ai pris l'esprit. Au moment où je clique sur le bouton pour me désinfecter... Oh oui, désinfectant. Oh, j'étais mal fini. Oh, ça tâche. Ouais, parce que là, putain, c'est vrai qu'ils sont acharnés, hein. Des fois, les hunters, c'est pas les pires, alors. Ouais. Pourquoi tu oses réanimer la l'IA avant moi? D'accord, ça va, je retiens. Non. Il y a un fond décomposé, contrairement à toi. Ah ouais, ça tire fort le Hammer, non? Ah non, c'était le Ravageur encore. Hammer, il est puissant, mais bon, les balles, ça part plutôt vite. Oh, y'a... Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même plus de balles dans le Ravageur. Vu qu'en ce moment... Il a vidé un caisse de munitions. Et le samouraï. Il va pas trop vite quand même, là tu m'as largué. Hein.
Vas-y. On va pas être content. Maman n'a pas voulu me couper les ongles. Le manicure. Et ça trop à évoluer. Commandant. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la caisse? On doit sortir d'ici. Ah merde encore. Alors... Parce qu'il y a plein de caisses de munitions dans le coin, on va partir. Ouais, dans l'ascenseur, il y a. Et des herbes, il y a pas? Non. Ah, là-bas, c'est... Ah bah c'est l'endroit où il y a quelque chose. Là, cet endroit, t'as bien couru. Il y a des caméras. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut s'enfuir au plus vite, mais... Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est le côté. Non, mais j'aime bien ce qu'il y a l'alarme et tout, attention, destruction et tout, nous on promène. Ah ouais, tiens, je suis déjà passé par là. Je vous demande de mettre des caméras alors que l'endroit va être détruit. C'est clair. Bon. Mais je crois qu'on n'a pas le choix, hein. Oui, tu... Ah, colle-toi avec toi et... Ouais, colle-toi avec toi. Colle-toi sur le petit... Ouais. Ah, je suis en train de me soigner. Ah merde. Allez le dire, c'est pour ça. Voilà pourquoi il y avait des munitions. Ah ouais, bah j'imagine. Ok, en plus mon spray a disparu. Ah bah ça nous a soigné quand même. Attendez, je crois ton point faible. Oh. Ah, il fait de l'anti-jeu moi aussi. C'est marrant, les super j'ai dit en plus de là, mais je me des balles à sentir. Ouais. Ah, pensez à votre amoureux de tyran, il nous enchaîne pas, nous deux. Ouais, pour une fois. Là, j'ai mis, il venait vers moi, mais finalement, il s'est arrêté sur Vector. Les petits pieds prennent cher. Et il y a eu un décalage, c'est dès qu'il a fini de crier que le perso a reculé. Il est plus là. Ah, mais maintenant c'est du Lickers. Eh ben, faut que j'apprenne à viser encore, moi, hein. Oui, ça ouais, paraît logique. Là aussi. Ah, mais t'as pas de monter, de bouger quand je tire. Bon, là, c'est plutôt ça. Ouais, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de temps de se déplacer. Très intelligent. Quoi, ils se sont cramés la gueule, ces couillons?
Faut pas bouger, Zoro, c'est normal. Le lecteur est bon, il bouge pas, non. Tracteur normal, je me suis promis, je bouge pas. Ah oui. Quoi, comment il s'est retourné, il m'a attaqué. Ouais, j'ai vu ça. Oui, il a fini par la sentir. C'est logique. Les grenades, ça lui passe quelque chose, tu vois. Et on peut plus se jeter au passage. Regardez ça. Ça fait très marrant. Ah ouais, je suis loupé. Oh. Il meurt comme ça en plus. Casser les ongles en même temps. Merci. Toi qui va revenir. Oui, j'en doute pas. Le truc est en train de se détruire. Même si j'avoue, on l'a jeté dans un truc de lave, il est revenu encore plus fort. Oui, parce que c'était son manteau qui entravait sa puissance. SSDS. SSCS. Parce que je suis mort. Ah bah non, j'ai eu S quand même. On s'est fait que t'es mort deux fois. Bah je suis mort une première fois parce que je me suis transformé en zombie. Ouais, bizarrement. Ouais. Et l'autre, ouais, parce que je me suis pris l'explosion alors que j'étais à 1,5 km, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc, ben, merci d'avoir fait cette sixième partie avec nous, hein, Kenzie. Et puis, on te dit à très vite pour la septième. Et à bientôt. Donc, voilà, quant à nous, franchement, je trouve que ce jeu tient plutôt pas mal ses promesses. Bon, vous savez que niveau gameplay, c'est pas un Resident Evil comme les autres, mais enfin, voilà, il y a quand même pas mal de petits clins d'œil au niveau de l'histoire. Il n'y a pas de grosses aberrations comme je m'attendais à en voir. Ça va, hein, je veux dire, il y a. Ça part un peu en couille, c'est sûr, ce scénario original vraiment à la lettre, mais on croise les mêmes endroits et tout, donc voilà, on n'est pas dépaysé, on est bien dans un Resident Evil. Donc on va voir ce que nous réserve le dernier chapitre, hein, et puis on vous dit à très vite pour la prochaine vidéo. Allez tout le monde, et amusez-vous bien.